Bon bah bienvenue au Settlo pour le premier championnat de France de l'hiver. Je pense que là tout le monde a de la pression et un peu de stress parce que c'est la première course où tout le monde se rencontre. C'est une montée qui représente plutôt bien une vertical race, c'est-à-dire une montée sur piste avec des bons appuis, avec des parties plates, des murs, donc des relances. Ça se joue quand même beaucoup sur le physique et surtout le mental. Si t'as pas envie de te faire mal et de te déchirer, c'est pas la course, quoi. Donc c'est ça que moi j'aime bien, c'est vraiment se rentrer dedans. C'est pas ma discipline de prédilection. C'est vrai que moi j'aime mieux les parcours un peu techniques en individuel avec montée, descente, portage. Mais j'aime bien l'effort physique court et intense, donc je m'y retrouve quand même. Était vraiment varié et je pense que il y en avait pour tout le monde, il y avait du plat, du raid, des relances et un beau petit finish. C'était super, hein, un peu dur physiquement parce que pour moi c'était la première course. Sur les titres de champion de France, c'est le deuxième en senior, parce que Laetitia n'était pas venue une année. C'est mon premier titre de champion de France en vertical, donc je suis content. On peut applaudir ce soir. Non, junior fille. Ouais, on peut bien de nos championnats de France. Junior garçon. Un grand bravo à nos espoirs féminines. Très bien de championnat de France. Espoir garçon. Alors, on applaudit très fort les vétérans. Merci. Un grand bravo pour le podium et le champion de France vétéran homme. S'il vous plaît. Le podium de ce championnat de France, chez les filles. Un grand bravo à notre podium de ce championnat de France de Marie-Calcèche, notre champion de France, Mathieu Jacques.